Deux, là où je suis entièrement d'accord avec Jean-Christophe Buisson, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale telle qu'elle est, c'est le bal des faux culs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais vous parler de moi, mes deux filles, je les ai mises dans le privé. Pourquoi ? Parce que ma fille aînée dépendait d'un collège qui était dramatique et que je ne voulais pas qu'elle y soit. Et comme je suis une bourgeoise, je l'ai mise dans un lycée privé, dans un collège privé, parce que je pouvais le payer. Donc si vous voulez, le vrai problème, moi je suis vraiment, je suis une petite fille d'immigrée, je suis une enfant de la République, je veux dire, pour moi, il n'y avait rien de tel que l'école publique. Le vrai problème, c'est que aujourd'hui, la question c'est, est-ce que au nom de mes idéaux, je fracasse mes enfants dans une école publique qui n'est plus bonne, ou est-ce que je leur offre quelque chose d'autre? Et là, vous avez on sort un peu du sujet.